Bonjour à tous, donc c'est Mac29 et on se retrouve pour un petit épisode sur farming. Donc je mets ça comme ça. Donc ici, donc c'est la crone Big X1000. Je mets manuel et je démarre. Celle-ci, donc on a dit la classe en automatique. Go. Celle-ci, elle a sa course. Ça, il n'y a pas de course. Ça, c'est bon. Non, ça, c'est la... Ah, mais j'ai pas du tout mis la saleté sur l'autre. On va la démarrer quand même. Ce sera peut-être mieux. Ah, ouais. Voilà, elle s'est repartie. Donc là, la saleté sur la 780 sur la machine, parce que la coupe, j'ai pas mis la bonne coupe. Ça fait une bonne saleté, donc après on verra. Donc ça c'est bon, ça c'est relancé. Ah merde. Faut que je retrouve la course. Vidage. Je suis en 70. Oui, bon, pour l'instant on marche comme ça. Hein. Ouais, il vaut mieux mettre ça, bon, c'est bon. Bon, toi tu te vides ou quoi là? Je vais remplir au maximum, donc avec les deux nouveaux champs. Donc le 49 et le 70, les deux premiers. Après, une fois qu'ils seront remplis, qu'ils seront assez remplis, on recouvrira ces deux silos. Et donc on videra le champ 50, je sais plus combien d'ailleurs. Le 50, 51, qui est en maïs. On va le faire en ensilage, parce que j'avais fait en ensilage la dernière fois. Sur l'autre partie, donc sur la 2.6, et on le mettra dans les deux silos à côté, dans les autres silos. Comme ça, il n'y aura pas de soucis. Allez, va divider, toi. Normalement, celui-ci, la batteuse me demande de m'arrêter. Ouais, mais si tu vas pas en dessous, tu ne devineras pas. Donc ça, c'est un peu logique. Hop! Donc on va se mettre bien en dessous de la moissonneuse. Si on veut la vider. Voilà, là c'est mieux. Ah, ceci est bloqué par... Ceci. Bon, on va tasser ce qui reste. Je crois qu'il rentre par l'autre côté, dans le silo. Donc normalement celui-ci est salissable sauf l'appel devant. Donc j'essaierai de faire en sorte à ce que tout soit lavable. Voilà, c'est bon, c'est assez.
Bon, ici on va peut-être ranger un peu mieux ça. Voilà. Bon, pareil pour celui-là. Je sais même pas pourquoi je le garde. Vu que l'autre elle tasse mieux. Donc celle-ci est déjà pleine. Celui-ci va se vider. Est-ce que celui... Ah bah il revient à zéro, donc tant mieux. Oula. Donc sinon, est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'être rechargés en essence? Celui-là ça va. L'autre elle doit être pas mal aussi, ouais. Elle va bientôt être remplie aussi. Celui-là, je sais qu'il se vide assez vite. Celle-ci, elle a été rechargée au dernier épisode. Ça, je vais l'enlever. Donc je sais le faire pour la texture des machines, les mettre en salissable les machines, ça c'est, j'arrive à le faire. Donc je vais peut-être le faire sur tous mes modes. Ça va prendre du temps, mais bon, dès que ce sera fait, ce sera fait. Oh, tu as vidé quoi? Ok. Ah voilà. Bah enfin, tu te vides. Donc lui, il se remplit. Donc les tracteurs, j'ai même pas besoin de les mettre, de les remplir en essence parce qu'ils vont se remplir tout seuls. Celui-là, il va se vider. Celle-ci, ouais, elle est presque vide en essence aussi. Elle, ça va. Donc lui, il va se vider. Mais ce champ, je pense qu'il va être... Quand j'aurai fini avec les autres champs, ce que je ferai, c'est que... Je mettrai... J'irai mettre les deux remorques avec l'ancieuse, comme ça, et il y aura un roulement. Et ça évitera que ça soit trop long. Comme ça se videra tout de suite. Lui, il arrive bientôt. Non, presque. Pas encore, mais presque. Lui, il va derrière la moissonneuse. Ça, je peux le fermer. Alors ça. Donc là, j'ai quand même pas mal. J'ai 288 929 de tournesol, mais ça va me rapporter, ben ça me rapportera, mais j'enlèverai tout de suite. Pareil au niveau des, ce que j'ai dans mes silos en fait, j'irai les vendre. Donc le blé et l'orge, le colza j'ai pas encore fait. Maïs, j'en aurai pas. Pommes de terre, betterave, blé vert non plus, ouaté non plus, tomate non plus, raï non plus. Bah j'aurai pas en fait beaucoup de choses. Donc
Ceux-là, donc ces deux champs-là, je les mets sur un champ en tas fait avec un mod, donc le any type, le any type anywhere là, ou le anywhere type. C'est-à-dire qu'on peut vider n'importe où. Celle-ci va être remplie au max, hein, ça c'est clair. Hop là. Celui-ci il attend. Celui-ci il arrive bientôt au silo dans siège. Donc en fait je réserve. Donc bah là j'ai commencé avec les deux premiers silos. Donc je vais être obligé de finir de remplir à peu près les deux premiers silos. Je les recouvre. Comme ça il se videra plus dedans. Quand j'aurai fini le champ 70 et le champ so et 49, quand je les aurai mis tous les deux dans les deux premiers silos, donc je recouvrirai les deux premiers. Et après, on mettra donc le champ 51 dans les autres silos, quoi. Et là, donc je vendrai. Donc les autres, ben ceux-là je les vendrai, mais je remettrai pas l'argent. Mais par contre, quand je vendrai ce que j'aurai ramassé avec le champ 51 que j'avais fait dans l'autre, avec la version 52.6 de cette map là, ceux-là, ce que j'aurai gagné, je le retirerai tout de suite. Parce que sinon, ça fait un peu tricher. Ben, c'est pas que ça triche, mais bon. C'est comme ça, c'est ce que j'avais gagné, donc j'ai pas besoin de le regagner. Je vois pas comment faire, parce que surtout que j'ai dû recommencer une partie à zéro, avec tous les champs faits. Bah sinon ça marche pas, tout simplement. Allez, vite toi, non. Comme ça, on va remplir à max le silo. Donc lui, va pas se remplir à fond, à moins qu'on mette ici jusqu'à 100, quoi. Comme ça, tant qu'il est pas à 100%, tant que la remorque n'est pas à 100%, ben, elle va pas se vider. Donc lui, c'est bon. Lui, il va se vider. Pourquoi il se vide pas avant quand même? Il pourrait au moins. Il va se vider là encore. Voilà. Donc c'est jusqu'à 100 000, je crois, l'état. Donc tant qu'on n'est pas à 100 000, il vide dedans. Donc lui il va se vider. Bah lui c'est pas la peine de changer ça, mais par contre lui je peux le mettre aussi. Voilà. Donc elle y va, hein. Elle s'arrête jamais. Sauf des fois quand elle est pleine, sinon on a fait quoi? Presque à la moitié. Mais sur celle-ci, on n'est pas tout si fou, ouais, pratiquement à la moitié. On est à la moitié du champ, on a fait la moitié du champ. Donc ça va. Donc je vais prendre celui-ci pour tasser mon silo. Comme ça sera bon. Voilà. L'autre, je pense qu'il est assez à 100%. Depuis le temps qu'il marche dessus, l'autre, là. Voilà.
C'est pas souvent que j'utilise celui-là. Parce que je crois qu'il fait une descente d'essence pas mal aussi celui-là. Là, lui, il va avoir du mal à monter. Hein. Non, c'est bon. Ce vidage là est rempli, je sais pas pourquoi il va le mettre là absolument. Oh, nickel, au dernier. Bon, là, je vais peut-être arrêter de faire des points de vidage parce que sinon ça va faire beaucoup. Non. Donc, lui, c'est bon. Lui va à la machine et lui va se vider. Allez, go. Il y a quand même un moment d'attente avec celle-ci. Dommage que j'ai pas plus de remarques que ça, mais bon, tant pis. Donc ça c'est bon. On a le temps encore un petit peu d'avancer. Oui, d'accord. Ça monte vite quand même. Malgré tout. Bon, elle débite tellement à l'heure que ça se remplit vite. Bon, il va se vider où? J'ai hâte de savoir où il va se vider quand même. Je pense que il va aller là où elle a vidé l'autre tout à l'heure. Ou avant, mais il va vider vers la fin normalement. S'il est pas stupide. Nickel. Bon, après, il faudra qu'il vide un peu avant quand même. Alors, lui, il est parti. Lui, il va se vider. Alors, niveau des bottes, c'est pareil, hein. C'est-à-dire que celle que j'avais fait sur le champ
que je me dise pas de bêtises. 55 et 56 qui étaient le 60 et 61 dans la 2.6. Ceux-là, les bottes de ceux-là, quand je les vendrai, je retirerai l'argent que j'aurai gagné. Comme je vais faire pour les cultures, tout simplement. Ce que j'aurai gagné avec mes silos. Avec ce que j'ai dans mes silos. Alors l'herbe, ben je la coupe pas. Voilà. Comme ça fait un peu plus sur l'état. Parce que sinon, il n'y en a pas assez et puis ils comprennent plus rien. Comme ça, ils vont aller tout de suite. Lui, il va se vider. Lui, il va il vide la moissonneuse, mais bon. Mon avis sera à 100%. Donc sachant que la coupe que j'ai sur celle-là, le porte-coupe et la coupe à maïs, c'est de la 770 TT avec caméra et salissable. Donc ce que je vais faire, c'est que je crois que j'ai modifié la 770, donc il suffit juste que je mette la version que j'avais modifiée sur ma partie et puis dans mes modes pour que ça soit salissable. Oula, ça va être dur là. On est 89% hein, du silo. Donc ça va. Allez, on va remplir tout ça. Bon, ben... Allez, go. Olé. Bon, lui, c'est bon. Lui, il va vider. Il n'est pas vide en essence, donc il va pas se remplir tout de suite. Non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir les tas qui sont au milieu des grands tas là. Comme ça, ils pourront se vider correctement, quoi. Après, pour vider ça, j'utiliserai la pelle, le chargeur 4, qui permet de vider ce genre de ça. Et puis, je mettrai les tracteurs à côté et on ira les vider là où c'est le plus près, quoi. Ou alors ils iront vider au silo.
Voilà. Donc ça agrandit l'état au fur et à mesure. Donc lui il va à la machine. Lui il est en train de la vider. Et ouais, on va arrêter bientôt. Ça. Je vais peut-être regarder les temps qu'il va faire. Il va neiger, il va avoir de la grêle dans 4 jours. Et il va pleuvoir dans 12 jours. Bon, toi t'es prêt. Allez, va te vider. Alors, tant que j'ai pas dans le bas de l'écran, comme quoi telle machine et telle machine ont besoin d'être rechargées en essence, ben, d'être remplies en essence, c'est bon. Parce que normalement, le course play nous met en bas en rouge. Par exemple, la TerraTrak, la 780, a besoin d'être ravitaillée, il va nous le mettre en bas. Et comme elle peut pas se recharger parce qu'elle est sur le champ, bon là la 780 elle est chargée à max, elle est à 1000 litres donc ça va, mais par contre la Crown Big X va arriver très vite. Vu que ça fait longtemps, j'ai pas fait encore le plein de celle-là. Il reste 374 litres donc elle va bientôt demander à faire le plein. Donc celui-ci va se vider, ceux-ci vont se rencontrer. Ils vont juste se croiser, ils vont pas se toucher, ça c'est bien. Donc pour 20 000 litres de blé, ça fait 15 800 kilos. Pas mal. Allez, go! Voilà. Donc surtout, alors quand les champs sont bien fertilisés, quand il y a de la, les champs sont fertilisés, ça remplit plus hein, les remorques ou les moissonneuses. Ça qui est bien. Donc celle-ci est en train de vider la moissonneuse. Celui-ci va se vider. Alors, celui-ci va pas tarder à remplir son essence aussi. Je vois qu'il est à 181 litres. Je crois que le maximum sur ces tracteurs-là, c'est 500 litres à peu près environ. On va pas tarder non plus à arrêter l'épisode. Je vais rajouter un peu partout comme ça au moins.
Non, on va le faire, on va monter le poids un petit peu pour que ça accroche. Tu veux bien? Non, il est vraiment bloqué. Je vais pousser avec l'autre. Une fois qu'il arrivera. Bon, d'ailleurs, on va pousser comme ça et puis on verra ce qu'il va faire. Allez. Hop. Là, tu démarres. Donc voilà, et nous on va se dire à la prochaine, donc au prochain épisode, n'oubliez pas les petits pouces verts, les pouces verts, de vous abonner, de laisser des petits coms de temps en temps. Et puis on va se dire ben, du coup au prochain épisode, donc pareil sur Farming. Donc moi je vous dis à la prochaine et ciao.